crocodil, avec sa belle famille. Un crocodile avec ses petits enfants, il s'en allait chantant au bord de l'île. Il s'en allait pour battre un éléphant. Un coco, un crocodile, il s'en allait, il s'en allait au bord de l'île. Un crocodile, il s'en allait, il s'en allait au bord de l'île. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, bonjour. Nous voilà dans le camp d'été de Puella Pinului. C'est près de Buzău. C'est un camp très renommé déjà. Il a déjà une tradition en ce qui concerne la francophonie. D'ailleurs, le logo du camp, je vous dis, c'est d'été, on parle français, oui. C'est ça le logo. Et on va discuter, on va développer un peu ce problème, c'est-à-dire l'importance du français, disons, et le rayonnement du français dans le monde entier. Je dois vous préciser que je suis là à côté de quelques ravissantes jeunes filles belges. Ils sont très sympas, comme vous voyez. Ils invitent jeunes filles, ravissantes et très sympas, je répète. Et je voudrais faire leur connaissance et qu'elles nous disent quelles sont en quelle qualité elles sont venues à Puella Pinului, n'est-ce pas? Parce que, à ce que je sais, c'est comme elles sont venues comme des volontaires, n'est-ce pas? Et, voyons, qu'est-ce qu'elle se proposait, je voudrais qu'elle se présente et faire leur connaissance. Alors, si vous voulez commencer, donnez le coup d'envoi, pour ainsi dire. Oui. C'est à vous de choisir, ça n'a pas l'importance, l'ordre dans le papier. Bonjour, je m'appelle Arménie. Arménie. Je suis pâtre depuis 12 ans. Ah. Et c'est la deuxième fois que je pars en Roumanie. C'est déjà la deuxième fois? Oui. Ah. La deuxième fois. Tu es toujours dans un camp d'été, hein? Non. Ah, vous êtes. La première fois c'était en particulier. C'est-à-dire pour un voyage humanitaire. Ah, toujours. Mm-hmm. Oui. Moi c'est Charlotte. Je fais du pâtre depuis 11 ans et c'est la première fois que je vais en Roumanie. Oui, oui, continue. Bonjour, je suis Clémence. Ça fait 12 ans que je fais du pâtre et c'est aussi la première fois que je vais en Roumanie. Et ça fait 2 ans qu'on prépare ce voyage et on avait hâte d'y être. Moi c'est Zoé, ça fait 11 ans que je suis au pâtre. Et c'est aussi la première fois que je viens en Roumanie pour un voyage humanitaire. Moi c'est Kathleen, ça fait 16 ans que je fais du pâtre et c'est la troisième fois que je viens en Roumanie pour un voyage humanitaire.
Moi c'est Eline, ça fait 11 ans que je fais du patro et c'est la deuxième fois que je vais en Roumanie pour un voyage humanitaire. Moi c'est Léa, ça fait 12 ans que je fais du patro et c'est la première fois que je vais en Roumanie pour un camp humanitaire. Moi c'est Claire, ça fait 11 ans que je fais du patro et c'est la deuxième fois que je vais en Roumanie pour un camp humanitaire. Je suis très très honoré d'être à côté de nous, notre collègue de Bucarest qui est Madame Cecilia Popescu, qui est professeure à l'école centrale de Bucarest et qui s'est occupée d'un atelier d'écriture créative et journalisme. D'ailleurs, elle va vous dire davantage sur le sujet. Je vous en prie, Madame. Bonjour à tous, je suis là pour la première fois à l'occasion du camp francophone, mais pour la deuxième fois à Poème-la-Pinouli, puisque ce camp a fonctionné depuis longtemps, donc je suis déjà venue avec d'autres élèves à une autre occasion. Je connaissais les alentours, je connaissais les conditions du camp, mais pour le camp francophone, c'est la première fois, donc c'est intéressant comme expérience. J'ai compris que les élèves sont vraiment impliqués dans tout ce qu'ils font, ils aiment bien. Et c'est surtout la présence de votre équipe venant de Belgique apporter justement cette contribution au camp francophone qui les a le plus marqués, je crois. Oui, je voudrais, à propos de cette délégation de Wallonie-Bruxelles, je voudrais, qu'est-ce qu'elle s'est proposé de réaliser dans notre pays. Et alors j'ai pris les jeunes filles de nous expliquer davantage leur projet, le projet européen éventuel, n'est-ce pas, que vous envisagez à mettre en œuvre ici en Roumanie. Et en général, quelles sont vos préoccupations et même de chez vous, en Belgique, ou qu'est-ce que vous proposez pour l'avenir? Je vous en prie. Donc à propos des projets européens, c'est-à-dire, parce que vous êtes, n'est-ce pas, vous êtes venu comme volontaire, n'est-ce pas? Alors dites concrètement, qu'est-ce que vous faites? D'ailleurs, il y a déjà deux jours d'activité, on a vu les danses, les jeux et tout ce que vous avez fait avec les Roumains, les petits Roumains. Et expliquez davantage à ce sujet, n'est-ce pas, comment envisagez-vous de développer tous ces projets, n'est-ce pas, pour l'avenir? On anime des enfants au patron tous les dimanches pendant le camp en Belgique. Et on voulait animer des enfants de la rue, des enfants roumains, pour qu'ils puissent aussi avoir l'occasion de faire des jeux, des danses, du bricolage, comme nous on a l'occasion de le faire. On sait que par ici c'est plus pauvre, donc ils ont moins l'occasion de le faire, donc c'est pour ça qu'on a voulu venir par ici. D'ailleurs, moi ce que je sais, chacun d'entre vous, vous avez dirigé des ateliers, n'est-ce pas, divers. Et je voudrais nommer exactement quel est le titre et comment s'appelle l'atelier que vous avez dirigé, n'est-ce pas, bricolage, danse, théâtre, etc.